C'est ça qui est bon. Là là. Caché. Ça j'avais fait. Bon, moi j'avais fini. Attends. Elle arrive à me suivre ou pas? Oh, c'est pas vrai. Il pleut toujours. Mince. D'ailleurs, je peinte sur quoi? Ouais, je peinte sur l'objectif de force en bleu, mais... En fait, je suis à égale distance de ma quête et de la sienne. Finalement, je vais peut-être me résoudre à honorer la sienne d'abord. Sans rancune. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mince. Merde, je suis tombé. Tourne. Bon, on y croit. Dur, hein? Dur, dur. Pardon. Non, je l'ai déjà fait ça.
Je dis gemme spirituelle. C'est mieux. Mais non, mais quelle crétine. Mais c'est pas possible. Merde, j'ai pas vu que j'avais pas assez de magie. Oh con. Non, je vais me faire démolir là. Ah, dommage. J'espère juste ne pas commettre d'erreur. Magnifique. Magnifique comme magnifique. C'est ça, rejoins-moi en bas. Là. Non? Non. Peut-être des choses à fouiller par ici, non? Qu'est-ce que c'est beau. Du coup, elle est où cette gourde? Elle me suit ou elle reste partie intégrante du décor?
Je vais voir, peut-être qu'en allant dans ce patelin, je vais peut-être déclencher quelque chose de bon. Fenêtre. Il y a même de quoi pour aller sur le toit. Tellement étrange. Ces jolies fleurs, ces jolies fleurs. Bonjour toi, des rumeurs? Et ben voilà qui est intéressant, je n'avais pas cette information, merci. Au revoir. Ah, te voilà. Rien à dire, vous êtes entre orques là. Des rumeurs! Tiens, tu penses quoi du dit prophète? Adieu. Mince. Elle me suit toujours? On sait pas, ouais. Sacré feu de camp, on le voit à 15 bornes à la ronde. Le cliquetis de l'armure en devient agaçant presque. Enfin bon. Si je veux pas me faire exploser, j'ai intérêt à garder ça sur moi et à entretenir mon matos.
Le dirogue du pêcheur. Eh ben là, voilà. Non. Non, mais j'aimerais qu'on échange davantage. C'est exactement ce que je craignais. Qu'il y ait combat sur place, c'est pas comme s'ils étaient des tonnes. Bon, je suis dans une mouise sans fin. Comment je peux faire? Ah, puis je peux plus lui dire de se tenir à carreau. Attends, non, il y a eu un message, je me suis bagarré avec machin. Quoi? Je me suis bagarré au roc du pêcheur, Mazoa ne sera pas contente. Elle m'a dit de ne pas m'en mêler avant qu'elle ne parle à Mogan Changement. Ah oui! Oui, donc j'ai tout faux là en fait. C'est ça que ça dit. C'est à elle de donner le premier coup de lame. Oh punaise! Je peux pas prendre une autre arme. Très gros, ça. Ridicule. Ah, clé mort elfe. Bien. Mais comment veux-tu que je la protège? Oh! Son épée. Demeure. Comment je peux faire? On est bien d'accord que dans mes sorts, j'ai rien pour restaurer la santé.
comment je peux faire? Oh la vache! Ridicule! Ah, d'où Jésus qui sont ridicules! Je pourrais même essayer de lui shipper son épée qu'elle irait avec les mains se batailler. Elle, c'est différent, elle a du bon matos. Effectivement, je ne connaîtrais pas son histoire. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Comment je peux faire pour changer le cours des événements? Ah, je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Ou alors je fais une salve de paralysie. Je peux la tenter. Je vais faire un test. Alors, Mazuga a parlé à Morgan Changement, puis ils ont commencé à se battre. Morgan n'est pas seul. Mazuga va avoir besoin d'aide. C'est bien ce que je craignais. Faut que j'arrive à m'occuper de du torse nu. Ça a l'air de tourner à mon avantage. Pourquoi pas? Ouais.
Vas-y, moi je l'occupe. Fais ta vengeance. Joue d'une main de maître. Oh, comment j'ai réussi à retourner la situation à mon avantage. Oh, j'en reviens de loin là. Hein. C'était. Bon, Mazoga s'est battu avec quatre bandits au Roc du Pêcheur. Les quatre bandits sont morts. Il faut à présent que j'aille en faire mon rapport à Marius Caro. Oh, le dit comte. Ça va? Oui? Ah, là, je veux bien que ta langue se délie et je suis tout ouïe, je t'écoute, ma grande. Je suis dans la classe des mages guerriers. On peut dire d'une manière large que je fais partie de la grande famille des chevaliers, oui. Mais à ma manière. Mais le code déontologique est quasiment le même. Des rumeurs? Ah. D'accord. Alors, si tu restes à mes côtés pour les prochaines batailles, je dis pas non. Par contre, t'as intérêt à restaurer ta vie, ma grande. D'accord. Eh ben. Finalement, j'ai rien perdu, elle m'accompagnera. Intéressant. J'ai des bottes de myrtille, moi ou pas? Je sais plus. J'ai un équivalent, apparemment. Bouclier 7 x 4. Bouclier 7 x 4. Non, je préfère mon bouclier elfe, ouais. Masse d'armes. Oh, la dague de verre. Ah, ça fait son poids, mais ça vaut quelque chose. Quel temps pourri dans cette région, c'est effarant.
Mais attends. Elle me suit pas, elle reste sur place, elle fait quoi, elle est où? Elle s'est barrée d'elle-même. Ah bah sympa. Je pensais qu'elle allait m'accompagner, mais pas du tout. J'exécute l'autre quête aussi. C'était quoi ce bruit? Oh, un phacochère. Oh, du muguet, du joli mois de mai. Ah, une fontaine de mana. Là, pour le coup, je suis en pleine forme. Ah, cette météo pourrie. Oh merde. Une porte de l'Oblivion. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Ma quête est dans cette porte de l'Oblivion. Oh, c'est pas possible. Il faut que je trouve le fort dans lequel se trouvait le père de Daguel. Il doit se situer non loin de Leyawin. Oh non. Alors, dans la série, ça craint du boudin.
à pas faire plaisir à un atronach de feu de se trouver sous la pluie. C'est un peu contre nature. J'hésite à y aller parce que... Merde, faut que j'arrête avec mon sort là, je suis en train de... d'aller au-delà de mes capacités, mais... Parce que je suis bien chargé en matos. Je serais tenté d'aller vendre d'abord mon matos en ville. Ce qui serait pas une mauvaise chose. Parce que je vais forcément me charger en matos en allant dans la porte de l'Oblivion. Obligatoirement. Aïe, 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 aïe. Oh, puis il y a la graisse troll. Fortification de personnalité. Où est-ce que j'ai eu ça? Je veux bien essayer, mais... Regarde, graisse troll. Hop. Fortification de personnalité, j'ai pas. Hein. Non, j'ai pas. Ah, soupir. Non, je vais aller en ville vendre mon matos et je reviendrai ici après. Ça fera durer le plaisir en quelque sorte. Tiens, je me plante même dans la gestion de mon inventaire. Ouais, je vais retourner dans le patelin. Je fais des bombes cabri. Oh, je passe par-dessus les stalactites. Stylé. Aïe mince, je me fais mal. Oh là, je vais me faire très mal. Oh. Je suis brisé quelques jours, mais ça va. Une autre porte d'Oblivion. Oh là 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 là. Je vais être obligé de me coltiner les deux là à la suite. Hein. Waouh! Waouh! Alors là, les deux prochains épisodes, les deux prochaines heures, ça va être Oblivion, Oblivion et Oblivion. Bon, bonjour. Oui, merci, vous aussi. Je vais rentrer à la guilde des mages, prendre ma chambre, pioncer. Je fais du commerce au petit matin et je me barre en Oblivion juste après, ça va être rapide. Ah, si seulement je pouvais déjà m'acheter la maison, mais je pense pas que ça couvrira les frais d'acquisition de la maison.
Ah, je rende compte au duc au petit matin. Ah, voilà. Ah, ma mémoire commence à faire son œuvre, c'est bien. Je finis par me souvenir de. Oh, tiens. Moi, je dors dans la chambre des invités, s'il faut. Enfin, oui, voilà. Ça me va très bien. C'est réciproque, on n'a pas beaucoup parlé des rumeurs. Oui, tu m'étonnes. Tu vends quoi? Ah, les ingrédients peuvent m'intéresser. Attends, regain de personnalité, tu fais ça? Ah, il y a fortification de personnalité. Ah là 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 là. Non, il n'y a pas ce que je souhaite. Ah, oh, quelle est dure en affaire. Il faut que je lui achète des pierres pourtant. On est quasiment à égalité sur l'argent. 800 contre 800. La grande gemme à 346. Si je change de tenue, on n'est plus à 346, on est d'accord. À faire baisser les prix. Je disais, on n'est plus à 346. Ah si. Ouais, c'est à 346. Et merde. Et ouais. elle me ruine, la vilaine, elle me ruine. Alors, moi, je pourrais lui vendre des trucs. Je sais plus, est-ce que je vends mes potions ou pas? Je peux en faire hein, des dégâts. Je peux en faire.
Qu'est-ce que je fais? La glace de troll, je lui vends. Oh la masse, toi! C'est 2 fois 26! C'est-à-dire que je suis à plus de 50 unités de masse, rien qu'avec la graisse de troll. Hein. Faut que je range ça quelque part, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Elle échoue. Pour le galopin, normalement, je devrais pas avoir de mal. C'est ça. Toujours ça te fait. Oh, puis il faut que je fasse réparer mon équipement. Toujours me baratiner la même chose, je crois. On est d'accord. Oui, je vais m'occuper des deux portails d'Oblivion à proximité du village que j'ai repéré. Il y aura du temps, mais j'y arriverai. Des rumeurs? Possible. Adieu. Oh non, ce temps de chiottes, c'est une horreur. Bon. Merde, c'est un libraire. C'est pas le libraire que je cherche. Il est de des guerriers, encore moins. Ah, je ne sais plus. Ah, c'est un. Oh non, c'est la compagnie des. J'irai les voir plus tard. Mais quel temps désastreux! J'ai renversé le document de la table. Ah oh mon Dieu! Ah là là! C'est un scandale. Bonjour déjà. Des rumeurs? J'aimerais voir. On est à quelle échelle de sympathie? Neutre. Attends. Ah, ça protège pas, oui, c'est, mais il y a de la masse. Dommage. Non, j'ai mieux. Est-ce qu'elle en vaut le coup? Ouais, elle fait à 19 les marteaux d'apprenti. J'ai envie d'essayer. Elle aime pas les plaisanteries. Elle aime ce qu'on se vante et elle aime qu'on l'admire. D'accord. Se vanter et on l'admire. D'accord.
N'en parle pas. Mais non. Tu es fort, hein? Attends, j'ai pas l'impression d'avoir fait une sauvegarde. On est d'accord. Merci. C'est les mêmes là. Ces fameuses bottes à 8300. Attends voir. Huit mille trois cents. Je vais juste faire le test. Mille 8200. Non mais difficile de faire chuter les prix. Oh la vache. Aïe 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 aïe. On va voir si je suis vraiment gagnant dans l'histoire. Soyons fous. Bon, tout ce que je peux lui vendre. Faut que je répare mon matos, hein. Je vais pas m'en sortir. Bon, imaginons que je ne vende pas les potions. Ça, des rumeurs? Non, non, non. Ancien Tagalinus? Oui, non, on a déjà entendu 10 fois. Au revoir, oui. D'accord, que le charme fait toujours effet. Je vérifie, hein. Oh non!
Elle est à 100 maintenant! Oh, j'ai merdé! Aïe, 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 aïe. Je vais regarder avec l'autre. Oui, lui aussi vend des trucs. Ouais. Ou alors je procède à la même technique. J'essaye de le séduire et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Idem les vannes. Ah, se vanter. Il y a juste se vanter qu'il aime pas. D'accord. Ah, il n'aime pas contraindre et qu'on se vante. D'accord. Donc je peux recommencer, je me suis planté. Dur. Oui, je te le fais pas dire. On dit ça. Ah, j'ai perdu le coup là, j'ai pas de gain véritable. Ah, oui, mais j'ai bien joué. Merci. Merci, merci. Ouais, voilà. Alors, presque 300 de bâtons, alors que si je regarde elle. On est d'accord, j'avais déjà fait le... Ouais. Pareil. Ex aequo, pareil. De facto, ce que je peux faire, c'est effectivement la... C'est ça, oui, le charme de séducteur. Je peux faire ça. J'attends que le charme fasse effet. Je suis à 84. Je peux encore attendre. Normalement, ça monte jusqu'à 100.
À moins que ce soit les transactions. À moins que ce soit les transactions qui. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, je pourrais pas faire mieux. Je ne pourrais pas faire mieux. Je pense que je peux vendre de plus. Si j'en reviens à ouais, le coup de la graisse du troll, parce que ça je me traînais comme un boulet longtemps. Fortification de personnalité. Quel est l'ingrédient qui fait fortification de personnalité en dehors de la graisse de troll? Ils l'ont pas. On est d'accord. Oui, merci. Ah non, il fait pas d'ingrédient, il laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. Ouais, merci à toi aussi. Ah, comment je peux faire? Comment je peux faire? Pop, 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 pop. Je vais aller voir le forgeron. Ça va me coûter une blinde. Je te crois. C'est ça. Comment ça va? Je m'attendais à avoir une facture mirobolante. Je suis embarrassé. Au revoir. Je suis embarrassé. Façon, il faut que j'aille voir le compte. Alors, je ferai ça au prochain épisode.